Bonjour à toutes et à tous, c'est Spardra le Noobman. J'espère que vous allez bien, moi ça va vraiment super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Boom Beach encore. Et regardez qui voilà, le Docteur Terreur. Alors tout de suite, on va partir l'attaquer. Donc ok, bon bah lui il va être vraiment très simple. Puisqu'on a tout simplement qu'un lance-roquette. Donc, je suis en full guerrier. C'est assez simple, le premier niveau est vraiment très simple. Hop, on va le friser comme ça au moins il fait aucun dégât, on est sûr qu'il tuera aucune troupe. Et c'est parti. Bon, ok, il va tirer quand même une fois. Oh, oh, peut-être pas. Oh si, il a pas tiré. Par contre, ils se sont pris une mine. Bon, à la rigueur, hein, ça va rien faire de plus. Ok, boum. Le seul truc qui est chiant avec le Docteur Terreur, c'est que quand t'es bas level, comme moi, par exemple, tu peux pas aller loin parce qu'après, il y a des super canons de partout, il y a des canons, il y a des lances électrobombes, tout ça. Même au premier niveau, je suis tombée sur un truc avec tour de sniper, lance électrobombe, canon. Enfin bon. Alors, deuxième niveau. Bon, déjà, c'est plus pareil, il n'y a pas qu'un seul truc. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire de beau? Lui, il va pas faire super mal. En fait, il n'y a rien qui va faire super mal. Mais on va quand même détruire un truc. La mine qui est là en même temps que le machin. Ok, bon, c'est bon. Hein. Hop, hop. Et on envoie tout. Comme ça, on aura juste à friser. Et puis, le freeze, il va tenir assez longtemps pour la mitrailleuse, mais pas pour le lance-roquette. Donc, c'est bon. Hop là. Et par là. Ok, partez sur le lance-roquette. Et non, ils vont faire les idiots. Hop là, allez. Faut tout leur dire, hein. Ils sont pas assez intelligents. Ok, bon, bah juste un medikit pour le fun. Parce que de toute façon, ils vont regagner leur vie, donc c'est bon. Ok, on a fait le niveau 2. Bon, ça c'est simple, hein. À chaque fois que j'attaque sur le Docteur Terreur, le niveau 2, il est toujours fait. Le niveau 3 aussi. Mais après, le niveau 4, ça se corse. Pour moi, à mon niveau, ça va être vraiment très très dur. Voilà, bon là même... Oula, comment on va faire? Attends, on va terminer la bataille, on va plutôt faire une reconnaissance pour voir à peu près où est-ce que ça tape. Qu'est-ce qui tape où plutôt? Non, en fait encore, il n'est pas super dur. Il faudrait éliminer ça, ça. Ça va être chiant aussi. Surtout qu'il a une santé qui est plus haut et qui fait plus de dégâts. Bon, ils vont peut-être mettre un tout petit peu plus de temps. Trois. Oula, il en faut beaucoup là. Oula, quatre. Oula, j'avais pas prévu ça, moi. Ok, donc lance électrobombe, il va faire assez mal et il faudrait qu'on puisse détruire ces canons. Ok, s'il commence déjà... Oh, mais ils partent n'importe où, là. Partez plus par là-bas, déjà. On va déjà friser tout ça, parce que là... Oula, mais non, mais j'ai déjà perdu tous mes guerriers, quasiment. Mais là, on est juste en train de se faire défoncer. À part ça, c'est tout. Ok, le survivant. Bon, ben on s'est fait défoncer hein, au niveau 4 du Docteur Terreur. Bon, bah ok. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ah oui, mais en plus, les barques. On peut pas refaire parce qu'il y en a une en Amelio. Oh, lui, par contre, il est simple. Limite, je te fais une barque de guerrier et on le fait. On le tente avec une seule barque. Ok, on va faire ça. On va faire ça. Petit défi à l'improviste parce que je pensais durer un petit peu plus longtemps quand même. Ok, bon. Alors là, c'est vraiment très simple par contre. Parce que regardez. 1, 2. 1, 2. Voilà. Tu envoies ton petit guerrier. Enfin, ta barque où il y a les guerriers. La mitraillette, elle va rien leur faire du tout. Boum. Il n'y a plus de life. Hop, on va friser tout ça et on va partir dessus.
Hop là, et ils peuvent plus rien faire. Voilà, je vous avais dit qu'avec une seule barque, ça passerait. Et ben, c'est passé. Voilà. Bon, le Docteur Terreur, ça n'a pas été une grande réussite, hein. J'en suis vraiment désolée, je pensais aller franchement plus loin. Et ben non. On a fait que de la merde. Ok, bon. C'est passé. Hop, j'ai gagné vraiment rien du tout. Mais j'avais dépensé vraiment rien du tout non plus, hein. Une barque, c'est vraiment rien. Est-ce qu'il n'y a pas un autre petit truc? Un petit coffre. Non, il veut pas y avoir de petite île? Bon, bah tant pis, il n'y a pas de petite île. On va aller en trouver des petites îles. Oh non, c'est un monsieur! Ok, bon, bah, c'était Spardra le Noobman. Allez, à plus!